Ah, si on peut rester là, c'est top. Hein. Forcément la descente de l'Atlantique pour arriver au cap chez elle, mais continuer. Bravo Kirsten Le Schaeffer, bravo Kirsten. Elle qui a également secouru ta... Bravo Kirsten Le Schaeffer, applaudissements encore pour elle s'il vous plaît. Avec ses proches qui ont fait le déplacement également, sa maman Annette qui est allée la chercher en mer aux alentours de 19h. Un modèle pour elle, son équipe. Avec Jérôme Charlie, son ami Sally, qui est venu spécialement des Malouines pour l'accueillir et la célébrer. Kirsten Le Schaeffer, regardez son visage, vaut mieux que les mots. Okay, right. When are you off? Now, Kirsten. Peut-être cette image, mesdames, messieurs. Bravo. Bravo, Christian. Bravo. How do you feel? Good. But you're not feeling like text or anything, you know? No, this is amazing. Yeah, this is a once in a lifetime experience. It's absolutely amazing. I can't believe all the support and all the encouragement. Oh, ice cream.
Et on lui donne une glace, pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a demandé pour son premier repas. Des fruits, des crudités, mais également de la glace qu'on lui apporte sur un plateau, sur son plateau. C'est amazing. Yeah, I can imagine. So you've got your first wish, chocolate ice cream. Oh yeah. That's the thing I've been dreaming about. So did you ever think you'd do it? Did you ever think you'd win it? I didn't know if I'd win it. I was convinced I'd finish it, but after the doldrums, I thought that's it for me. This is cool. So the moment you found out that you're in the lead just out there a few hours ago, what went through your head? I was quite overwhelmed. Like I said, I thought I was going to come in third after Simon and Avalanche. So it's a lot of stuff to absorb. So you've got a huge number of followers. You're in. We're going to need another mic, Genji. In a minute. Ma maman qui m'a aidé pour ce bateau, refaire ce bateau, et qui elle, mais bêtement, je ne pouvais pas faire ce que j'ai fait. Okay. This is the person I've been looking forward to seeing most. Okay. I think we got audio back. We just drowned a mic. Les yeux humides, forcément. Dans l'émotion palpable, inutile d'en rajouter quand vous apercevez Kirsten qui salue ses proches à l'arrière de Mini Hara. Quelle aventure! J'avais envie de voir. Ce périple à vélo, justement. Avec tout ce que vous avez vécu, on a hâte de vous entendre. Voilà, ça vous fait quoi? De voir tous ses yeux, ses visages. C'est incroyable, c'est beaucoup après tous ces mois en solitaire. Je suis très émue, je suis très honorée qu'il y a autant de gens ici. C'est incroyable et je ne crois pas qu'on peut vivre quelque chose aussi fort une deuxième fois comme ça. C'est que le début. Elle n'en savait rien. Elle pensait que c'était cuit pour avoir passé loin au niveau du poteau noir. Du Captain Pip. Après avoir passé plus de 3 semaines engluées dans des zones sans vent. Et après, dans l'Est. Eh bien, elle a parcouru. Félicitations, bravo, vraiment bravo. À 8-2. L'expérience d'une vie, nous dit-elle. Et on lui tend une glace, pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle a demandé pour son premier repas. Des fruits, des crudités, mais également de la glace qu'on lui apporte. C'est quelque chose dont je rêvais, de la glace, oui, des bonheurs simples à l'arrivée. Life. Je crois que je ne réalise pas encore, mais je suis pleine de joie à voir tout le monde ici et l'ambiance extraordinaire, et je passe un moment de ma vie qui arrive une fois dans la vie, et c'est extraordinaire, et c'est grâce à tout le monde. Non, c'est grâce à tout le monde qui ont rêvé avec moi, qui ont vécu ça avec moi, parce que malgré que j'étais en solitaire tous ces mois, je savais que je n'étais pas vraiment en solitaire. Je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui était avec moi dans les pensées.
Et ça fait une grande différence, surtout dans les moments difficiles. Et quand on sait ça, ça fait une grande différence. Donc, un grand merci à vous. Je ne savais pas que j'étais à l'avant quand j'étais arrivée là, où commençait le pétrole. J'avais découvert ça avec le premier bateau qui était venu me saluer. Mais je croyais qu'il y avait une possibilité et c'est pour ça que j'ai vraiment forcé. J'ai fait de mon mieux d'aller aussi rapidement possible. Mais le moment où je savais, c'était quand j'arrivais. Oui, dans le pétrole, avant les Sables d'Olonne. Oui, c'est ça. Je voulais gagner dès le début. Dès le moment quand je m'avais inscrit pour la course, je voulais gagner parce que soit on veut gagner, soit on veut juste compléter. Mais si on veut gagner dès le début, on fait tout dès le début dans les préparatifs pour gagner. Et c'était ce que je voulais. Ce qui m'a le plus marqué pour ce moment, je crois que c'est l'arrivée ici, avec la foule ici, avec l'accueil, avec l'enthousiasme, c'est incroyable. Bravo à vous, mesdames, messieurs. Merci à vous. Je ne me rappelle même plus ce que je l'avais dit. Je l'avais dit quelque chose en afrikaans. Je l'avais dit « mes beste ma », ce qui veut dire ma meilleure mère. Et c'était la personne... que je voulais vraiment voir le plus et à laquelle j'avais pensé le plus, surtout à la fin. Que je savais qu'elle allait être là et je voulais la voir. C'était très spécial pour moi. Elle est là. C'était parce que je voulais gagner, parce que je suis une femme. Je voulais gagner parce que je voulais faire de mon mieux. C'était le challenge et je ne voulais pas être dans une catégorie séparée comme femme. Je voulais être là dans l'égalité de tous les skippers dans la course. C'est sûr que les femmes ont besoin aussi des role models qui sont femmes. Et voilà, c'est Catherine Chabot pour moi. Donc,